Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous TAC 509. Tout haïtien connecté depuis le fait lundi pour arriver vendredi. C'est moment émission mon éditorial pour l'entrée. La caillou. Ensemble, nous pral brasser l'idée pour aider à comprendre plus bien différents débats qu'a fait sur actualité socio-juridique et politique en dedans pays. Déjà, m'a évité nous prêter attention, clarté d'esprit ou à bon sens nous pour chaque approche qui pral fait là parce que li important pour nous comprendre ça qui pral dire avant même nous commenter sinon commentaire nous apparaît purement et simplement du ridicule. M'a invité ou même qui pourquoi abonner à channel là, courir vite fait ça parce que TAC 509 là c'est solution tout bon con. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, même voix, rien pas changé. Et rapide vite, avant même nous commencer déposer sur, commencer partager vidéo. Non, émission mon éditorial pour aujourd'hui, on a une bonne nouvelle nous porter pour diaspora haïtienne, non? Qui prend une occasion pour participer dans prochaines élections. Toutefois, référendum là, il t'apparaît favorable. Et ceci, non seulement comme électeur, mais y a des possibilités également pour y venir participer comme candidat au poste législatif. Deuxième bagaille, c'est gros palais en pile qu'a fait sous dossier différentiste qui a performé dans le village de Dieu pour chef de gang réputé Iso qui a célébré quoi de bois, quoi de fer, si je mange, je vais en enfer. Monsieur a célébré anniversaire, lui, il décide de fêter à gang pendant 2 jours. C'est hallucinant, c'est du jamais vu. C'est complètement wow et tout ça passé en bargilita. Donc là encore nous ka dit ISO 1 la police 0. Bref, la manifestation populaire qui était organisée hier dimanche là, c'était occasion pour yon victime kidnapping là te foulé béton pour dénoncer comportement l'état li wè qui pas vraiment agi contre kidnapper yo. Li te profité tout fait parler sous violence psychologique sous séquelles kidnapping là qui était dans ville jusqu'à présent. Et n'a fini émission aujourd'hui hein, avec guerre ouverte qui déclarait en palais national Renal Luberus et PM Jout sous dossier déteinte vite machine. Pendant bon petit temps nous pral passer ensemble là, c'est occasion pour nous chercher comprendre pour nous brasser l'idée sous différentes raisons qui mettaient l'état pays tout tourné bien rapide vite nous pral aller commencer sans perdre du temps. Suite à la décision administration Jovenel Moïse te prend pour doter pays en de nouvelle constitution, eh bien depuis avant projet nouvelle constitution ça comité consultatif l'a décidé venir avec plusieurs avantages pour diaspora haïtienne pour haïtien yo qui a vivre dans diaspora. Pour ça arriver fait, ils ont décidé d'intégrer diaspora haïtienne dans la décision politique qu'a bien pour prendre dans pays. Et c'est pour raison ça, depuis avant projet constitution, ils prévoient dans l'article 100 alinéa 2 que tout haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau qui bénéficie d'un siège dans l'Assemblée nationale et suivant principe loi électorale là pral décider pour ça fait. Eh bien, comment ça pral le fait? Déjà, on prévoit que participation diaspora, li pa ka dépasser 5% de nombre de globalité candidat qui a bien pour élu dans l'élection législative. Et pour ça fait, quantité diaspora, quantité siège yon mette pour diaspora dans l'Assemblée nationale, ça, li pa ka dépasser 12 sièges. Bien que li pa clairement spécifié dans la loi électorale à travers dispositions particulières sous différentes circonscriptions établies pour diaspora yo, mais nous connaît que dans date 2017 soit 4 ans de cela dans période de lancement journée de la diaspora haïtienne, président Jovenel te promet à ce que yo créer 3 nouvelles circonscriptions électorales dans diaspora. Yon ap nan Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Youn ap nan Europe, youn ap nan Caraïbes blanc ak Amérique latine. Mettez sous circonscription, nous te gagné déjà. On regarde ensemble qui ça qui circonscription électorale là. Circonscription électorale là c'est forme de délimitation territoriale qui basée sur différents arrondissements, quantité moun ka vivent dans commune, dans quartier, dans zone et dans section communale pour déterminer combien moun yo ka voye al représenter nan élection, combien siège kap disponible dans l'Assemblée nationale, qui pour représenter circonscription sa yo, qui pour représenter commune sa yo,
Dans l'idée pour faire des voix population, mais nous connaît dans la pratique, c'est tout autrement. L'autre des nègres la vine député dans la commune, dans la circonscription, c'est à faire pas le vin régler, c'est gang le vin mettre sous pied, c'est l'argent le vin faire et puis that's it. Pour nous faire simple, ça veut dire autant de circonscriptions électorales qui pral gagner. Non diaspora c'est autant de sièges disponibles qu'ap gagner pour députés. En Haïti, nous connaît gagner 119 circonscriptions électorales, ça veut dire gagner 119 députés, 119 japouv qui dans parlement qui vini là qu'ap vini représenter peuple. Mais pour autant pas régler rien pour peuple là, ça nous connaît déjà et nous connaît très bien. Pendant la approche vers date référendum, non vers date élection yo. Et pour moi, je me sens que l'État manque pour la situation, pour la participation de la diaspora au sérieux vraiment. Pour qui ça me dit ça? Parce que, comme c'est fait dans la pratique, on vous octroie des droits et libertés sur le papier. Mais permettre à ce que vous exercez correctement, ça est ton casse-tête, ça est ton véritable problème. Parce que l'État toujours faille avec mission, l'État toujours faille avec engagement. Bam kite nou gande intervention Pierre Luno qui c'est un membre dans CCI dans comité consultatif indépendant qui t'a bay un média étranger yon kou interview sou objectif Jovenel Moïse gagne pour changer constitution. Et bien ensemble on gande on koute et puis après m'a retourner pour commenter yo. Vous nous parlez aussi, vous avez mentionné tantôt bon la diaspora, comment ça va fonctionner ça par exemple la place qu'on va laisser faire à la diaspora dans l'appareil maintenant. Oui, alors, pour la diaspora, c'est une petite révolution parce que la diaspora était complètement exclue du jeu politique haïtien. La Sénat Kadamissène avait fait même la méthode de prendre une autre nationalité, une sorte de crime qui était sanctionné par la mission de sa nationalité haïtienne. Donc, cette constitution reconnaît la nationalité haïtienne de tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger, même s'ils prennent une autre nationalité, ils ne perdent pas la nationalité haïtienne. Ensuite, les Haïtiens vivant à l'étranger sont autorisés à occuper tous les postes et président de la République, le poste. Donc, je comprends qu'il y aurait 12 sièges pour la diaspora, dont 2 au Canada. Ça veut dire qu'il y aurait 2 députés élus ici, par exemple, au Canada, par exemple, à Montréal, potentiellement. Voilà, il y a un nombre de sièges qui sont prévus pour la diaspora, dont 12, une douzaine de. Alors, pas moins de 12 sièges qui sera réservé pour la diaspora. Et deux pour les Haïtiens vivant au Canada. Donc, les gens qui seraient ici pourraient être députés en Haïti, mais en étant résident à Montréal, par exemple. Oui, ils peuvent. Ils sont appelés à siéger à la Chambre des députés, et selon les modalités qui seront définies par la loi électorale. Mais ils peuvent occuper d'autres fonctions. Ils peuvent être ambassadeurs, ils peuvent être conseiller général, ils peuvent être membres de la ministère des comptes. Et les autres fonctions qui sont prévues par la Constitution. Fort intéressant. Donc, il y a un référendum qui est le 25 avril pour approbation du texte. Pierre-Louis Gnaud est membre du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Etienne. Et bonjour à vous, là. Il y a une question, c'est que c'est le 27 juin. C'est 27 juin, parfait. C'est précis. Merci. Au revoir. Merci. Et voilà. On dirait la même Pierre-Louis Gnaud, par contre, comment il va départir la circonscription dans la diaspora. Pour l'instant, c'est seulement Canada qui connaît qui gagne deux sièges et pour les 10 restants, nous pour connaître. Même penser le patap trop difficile pour CEPA faire des limitations de circonscription électorale par rapport à dimension avec quantité haïtienne nous gagne dans la diaspora. Par exemple, dans l'Amérique du Sud, là, nous connaît une grande communauté haïtienne dans le Brésil, dans le Chili, dans l'Argentine. Là, l'Amérique du Sud, là, il même dit qu'il n'y a pas 3 députés. C'est de même pour Amérique du Nord et pour toutes les circonscriptions qui ont imposé en quantité haïtien, en quantité communauté haïtienne qui vivent là-dedans. Le problème là, c'est pas un problème de représentation seulement. Le problème là, li plus aller dans le sens comment moun sa yo pral vin représente pays. Comment moun sa yo pral vin représente communauté haïtienne, yo pran tête la communauté haïtienne, yo se leader là. Eh bien, c'est simple, eh bien, c'est simple. Il y a bien pour représenter ces circonscriptions, yo, nan exiger l'État, nan vin avec de nouveaux projets, nan vin avec de nouvelles perspectives pour
pour diaspora haïtienne. Non, on façon pour exiger l'État, on façon pour faire l'État qui est bien engagement, respecter mol envers diaspora ça. Parce que l'on a regardé, genre, autorité l'État, nous néglige communauté haïtienne qui dans Brésil, dans Chili, en Argentine. Bon, même là, c'est domaine qui sont problème, sont véritable casse-tête, sont véritable situation de discorde qui gagne en administration l'État. Yo pa ka bay moun yo papi, yo pa ka bay moun yo passeport, pa gen aucun assistance vraiment ki pote, alors que autant de gen consul, gen ambassadeur dans tout pays ça yo, ki sa après le go pa konnen, rien sérieux pa régler. M'pense pour question élection, yo te ka vini avec vote électronique, vini avec de nouvelles inventions là et surtout pour diaspora parce que nous connaît dans diaspora moun yo vraiment éparpillé, donc li ta vraiment important. Mais nous poko là et m'pa envie anticiper sur capacité conseil électoral la gen pour organiser de bonnes élections, des élections honnêtes, crédibles, démocratiques, des élections qui paraît vraiment qui bon. Élection vraiment, dans toute élection toujours gen critique, dans toute élection toujours gen problème, mais qui a gen un minimum de satisfaction pour population et surtout pour diaspora haïtienne, parce que nous connaît vraiment comment elle pral paraît difficile. Li difficile premièrement lorsque électeur pour chercher côté pour aller voter pour candidat là, pour aller voter pour un président, mais là elle paraît encore plus difficile là où même qu'on y a son potentiel candidat pour ou un paquet de monde qui font confiance qui choisit voter pour vous, alors que conseil électoral permanent ou bien provisoire ça li a li pas décidé mettre campé une structure li pas décidé mettre campé et li pas prendre bonne initiative pour élection organisée de manière à ce que tout monde satisfait, li pas organiser une élection qui inclusive, li pas organiser une élection qui ka pote satisfaction, qui ka vraiment bay candidat chance pour vinn pote un changement dans communauté là. En attendant d'après référendum nan rive pour nous connaître ça pral fait réellement pour communauté diaspora haïtienne, et bien il est encore plus important pour l'État dégager, dépêcher pour mettre un climat sécurité en dedans pays en Haïti là, parce que bagay yo extrêmement grave, bagay yo du bagay yo difficile pour haïtien qui vivent en Haïti. Bon, dans commentaire rapidement, on répond à cette question ça pour moi. Est-ce que la police en mesure pour rétablir sécurité dans le pays? Parce que moi sur les réseaux sociaux, j'ai commencé une campagne du retour en arrière, moi-même relé le comme ça. C'est parce que moi en pile monde commencé à remettre en avant Minusta. Comme quoi Minusta on éventuelle mission Nations Unies, c'est pour la solution, c'est sauveur là, c'est lui qui pral pour ton changement en dedans pays. C'est juste une parenthèse avant même que m'en rentre dans fête ISO 5 secondes qui décide de fêter pendant deux jours en bas, j'ai l'état. Bon, même répondre dans commentaire pour qu'on ait est-ce que vraiment, oui ou non, est-ce que la police en mesure pour rétablir sécurité en dedans pays. Eh bien, Jean-Noël là, pendant deux jours, chef gang ISO, gen fait la fête dans le village. Nous avons plusieurs gros tonton artistes avec DJ qui a participé là-dedans et gen différents opinions là qui baille, gen différents condamnations qui baille tout. L'essentiel soit reconnaît c'est que situation ça a gen deux aspects. Gen deux aspects qu'a considérer dans participation artiste, dans participation DJ nou yo dans fête et ISO qu'a fait dans base 5 secondes. Premier aspect c'est que gros contrainte ça nous relé menace là. Et deuxième aspect encore, c'est en contrainte, ça nous relève menace. Nous avons trouvé le doigt, pas mal de si fou parce que nous avons pris en pile. Bon, expliquez-nous ça qui a passé. Est-ce que nous rappelons nous histoire New Look côté que Zangalo t'a organisé un bal pour Chrisla dans décembre qui s'est passé? Eh bien, là, c'est du pareil au même. En pile nan nous déjà commencé à juger Atisyo, nous dit yo coupable, yo prend l'argent kidnapping, c'est l'argent kidnapping yo blanchi, c'est l'argent braquage, c'est l'argent sale, yo pas doué aller, c'est même volé. Eh bien malheureusement, c'est vrai. C'est vrai et c'est bien vrai parce que attitude positive Atisyo qui choisit à jouer pour bandi yo, c'est un comme te ka dit ça, son déclic. Son déclic, son handicap contre la moralité, son handicap et pour le respect de la vie, tout et tout, parce que nous connaissons qui ça, monsieur Bal 5 secondes, représenté en forme de violence, en forme de criminalité, en forme de banditisme en dedans pays. Mais qu'on y a nous-mêmes, qui prend temps pour nous juger Atisyo, pour nous juger Didier,
Est-ce qu'on connaît qui menace qui a pesé sur la vie en pile nan yo? M'a dit tout. M'a dit en pile nan yo. Parce que en Haïti, nous connaissons déjà ces bandits qui fait la loi. Oh yes, en Haïti c'est bandit qui fait la loi. C'est bandit qui fait la loi, c'est bandit qui fait et défait. Donc malheur à moun qui choisit rebeller contre yo. Pour nous comprendre mieux, bon faire nous tendre un voice ISO qui t'a mette chaleur sous monsieur ça, sous monsieur DJ nous yo, sous monsieur artiste nous yo. M'a tourner après pour commenter le ça nous pral comprendre plus bien ça va passer en dedans pays. Nous tout bon tout ça. Depuis ces artistes qui connent jouer dans notre ghetto. Depuis ça, c'est ça, par contre, je l'ai ghetto, ok, moi, je l'ai ghetto, pas venu, ok. Depuis ça, c'est là, quand je l'ai ghetto. Moi, je l'ai venu, je pas venu, dans le programme, là, je m'en prends. M'en les villes. Là, dis-moi, je viens de dire. Même pas gratuité, artiste, ça, pété, courage, pour yoi. Parce que le gamin est dans sous ville. En pile, non, yon, m'en prends, en pile, non, yon, allez, allez, contre volonté, et peut-être, si yon te connaît, yon te non pays, qui t'a qui te prend la vie mon au sérieux, qui te priorise sécurité, monsieur que grand pile nan yo, qui t'a fait autrement, par respect pour différents victimes qui tombent en bas mes bandits, ça t'a prêté pas d'aller jouer. Mais quand ça tout gen l'autre qui t'a prêté jouer, même son good, parce que c'est habitude, parce que village grand ravine c'est basio. Est-ce que nous comprenons? Là, ça nous clair. Moi même vlen prend quelques situations comme leçon, sans que m'pa vin encourager qui quoi qu'elle dit avec bandit. Mais quelquefois, pour comprendre yon moun, faut qu'on en place li. Pour comprendre réaction yon moun, pour comprendre décision yon moun, faut qu'on en place li. Si ou pas prêt pour mettre en place li, contente ou faire silence. Préfère faire silence, c'est pour contente ou méditer, et puis ça passe ou juste avancer. Oui, kidnapping nan fragilise pays. Oui, kidnapping nan li décapitalise classe moyenne nan. Li créé nan victime yon peur, li créé des troubles psychologiques, des séquelles. Li quitte pour victime yon. Je ne j'en dis, c'est pas peur, mon en vivre. C'est pas procuration bandit, mais mon en vivant dedans au pays. L'État est puissant parce que y'a bandit à l'autorité qui fait youn. C'est dans la situation ça pays en tombé, oui. C'est dans la dégradation ça pays en tombé, oui. Et c'est dans l'occasion ça pour nous dénoncer l'insécurité, pour nous dénoncer mauvaises pratiques qu'a fait dans l'État. Y'a des milliers de monde qui te foulent béton pour exiger l'État agir. Y'a un refrain que m'attend chaque jour, qu'a venu chaque jour, mais qui pas jamais qu'a abouti. C'est mesure sur mesure qu'a prendre en tête l'État. Nad marinade, bandit pirate, terreur pirate. Et c'est avec un pile courage pour m'a garder on victime yon rescapé kidnapping qui te vin manifester hier dimanche là. Li tout profiter adresser la l'État sans que le pas oublier exhorter nous. Ya, li exhorter nous, faut nous prendre ça très 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 au sérieux parce que le considère chaque grand haïtien à marcher avec l'argent son sou yo ou bien marcher avec cercueil yo en bas bra yo. Parce que l'État pas agi. Et là, nous prenons le chance quoi vraiment. Nous prenons l'expression visage. Nous prenons vraiment, j'en monsieur, à traumatiser. Même après tout le temps, ça a été fini de kidnapper. Kidnapping n'a pas un jouet. On nous garde ensemble. Et puis, m'a pour retourner. Population. Et tout le monde a coûté nous là. Et nous, nous. Et ça qui est là, je dis là, son bail qui était critique. Moi, je suis victime. Je choisis dans le silence. Moi, en tant que rescapé, pour moi, pour me fouler le béton, pour dire non à dictature. Non à kidnapping. Qui t'a mis dans le sol, il n'a pas eu là pour ne pas manifester, pas qu'à faire rien. Pour ne pas capable vivre, pas qu'à manger, pas qu'à rien. Et puis il a traumatisé le peuple là. Là, nous dit non. Abraham dit c'est assez. Il faut que donner au changer. Et non, c'est ça qui fait que moi, là, sous béton, là, me porter sur papa, moi, là. Nous connaissons pas nos conjonctions, nous pas nos moments. Mais juste partager ensemble avec nous expérience ou pendant que nous sommes là. Désolé si nous retournons. Je souhaite un monde qui n'a jamais vécu l'expérience là. Parce que l'idée des douleurs qu'elle laisse vous jusqu'à la vie. Bon Dieu connaît qui ça que le réserve pour seulement. Parce que l'offre automatisée, il ne peut pas sortir comme ça deux jours. Deux coups. C'est une expérience liée qui l'aide. Je ne vais pas demander à quel fait. Mais les gens qui ne connaissent pas l'existence de kidnapping, pour eux, ils ne comprennent pas. Déjà mettre en l'air une démarche pour capable interdire le kidnapping nan, ou bien qui pour t'ajouter une solution avec le kidnapping nan, c'est d'être vite machine. Nous même comment comprendre ça, est-ce que vous en tant que victime, est-ce que vous pensez ça capable d'améliorer la question du kidnapping nan? Ni moi ni vous, ni nous tout le monde qui a côté de nous connaît que tout le monde qui a côté réseau kidnapping au Chita, Grand Ravine, village de Dieu. C'est là où vous allez. Et ni ça où vous allez demander. Ce n'est pas vite tête que vous avez dit que vous avez payé 10 000 gouttes. Vous payez des gens qui ne payent même pas des déclarations définitives d'impôts.
yo fè ou paye une pour 15 000 gouttes par défaut, deux, ou al paye $120 américains pour tete fit machine ou, et puis tout d'un coup, et ton décret qui était sorti, qu'on y a là, on s'est conférence de presse qui annule. Théâtre, démagogie qui a fait. Yo kon ki kote bagayoye même, al monte là pour al puis al démanteler yo. Vous avez cité deux espaces là, deux côtés qui a fait kidnapping nous même, de qui est-ce des victimes, de qui zone ou des victimes? Tout le monde connaît monte dans la grande ville, dans la pli. Est-ce qu'on t'a bon, finalement, côté pays ça a pralé. Vim, dis-moi côté pays ça a pralé. Tout espoir au peuple, c'est l'État. Est-ce que nous-mêmes, nous gagnons l'État? Nous gagnons l'État dans le pays. Est-ce que nous gagnons l'État dans le pays? Ça, c'est grave. Quand nous grave. Tout le monde dit, tout le monde a dit un seul bagaille. C'est deux points de repère qui gagnent dans la question de kidnapping. La. Grand Ravine, village de Dieu. Donc, là, nous qu'à comprendre, après tout enquête autorité au dit au fait, après toute information au dit au après chaque acte kidnapping, yo vle dit que yo par contre qui est-ce qui caché dans zone ça yo? Ah non, non pas sérieux. Voilà ça gen quelque temps gouvernement prend des mesures de sécurité publique pour déteindre machine. M'pa trop arrêter sur dossier ça. Parce que premièrement, dans la forme, c'est une aberration totale liée pour le premier ministre juste décider à communiquer pour le rentrer ou bien suspendre une décision légale qui se doit de tenir des véhicules qui prend à travers loi fiscale exercice 2020-2021 là. Mais ça pas étonné parce que ça pas comme fait autrement dans la pratique haïtienne que violer la loi, que violer les principes constitutionnels qui établit. Deuxième bagaille, c'est que mesure ça, il pas qu'à changer grand chose. Parce que l'hypar général est le plus souvent, moun qui exempte de mesure ça, moun qui dispense de décision ça, c'est eux même encore qui a grené Gilbert, c'est eux même qui a pété Chara, c'est eux même qui a allié bandit, c'est eux même qui a transporté bandit, c'est eux même qui a fourni bandit. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'homme de pour population civile, détecter machine, à l'exception de officiels, corps diplomatique, corps consulaire, c'est même moun ça encore qui a favorisé bandit, c'est même moun ça qui a favorisé insécurité. Troisième bagaille, c'est que il y a deux instances dans le pouvoir exécutif là qui a lancé en guerre ouverte sur question et droit de tête là côté que dans palais national Renal Dubé ou ça fait pas dans primature PM je t'en fait pas donc là son véritable problème Renal Dubé il veut faire quoi là corré respect légal la corré principe légal alors que PM je t'en bafoué mais dans les faits c'est ça lié. Est-ce que Kounia, c'est bonne intention ça vraiment qui cache des trucs liés? Est-ce que c'est bonne intention ça qui cache vraiment des ça l'affaire? Là, prouvez-nous qu'on manque de coordination qui gagne dans l'État. Soit nous camper des grimaces d'affaire, soit nous camper des net, ou bien soit nous camper pour nous retirer le net. Mais question pour nous venir faire si jouer avec le peuple sur Twitter, il n'est pas bon. Parce que pi devant, c'est dans le conflit nous pral mettre chauffeur machine, c'est dans le conflit nous pral mettre citoyen qui fin paye droit de teinture avec policier. Alors que nous même machine pas nous c'est officiel, le pas même pral la peine camper nous dans la rue. Donc, suspend pas ces figures peuple dans la chose désodorisante. Nous, de qui ça m'a parlé, suspend pas ces figures peuple là, parce que il n'est pas bon. Je ne dis à la fois nous admettre que à tous les niveaux de l'État, pas grand de crédible qui a réglé, pas grand qui a réglé. Même ça qui pipiti à ou mettre quoi? Li pas clean, gros, mais caché d'elle. M'a toujours appelé nous ça. Insécurité à nos pays, elle pas au hasard. C'est programmé, c'est calculé, dans l'intérêt chaque partie qui concerne eux. Sauf peuple, sauf population civile là. Donc, ou même ou rien intérêt à t'en là pour prudent dans la rue. Pour prudent dans l'entourage, pour prudent avec mon noir fréquenté. Parce que le plus souvent, quand on pense que c'est 16 ans, mon lycée à Lyo, et pourtant, par contre, ça l'a réglé, pourtant, il y a une rancune contre le bon cœur, gros contre tout, pour progrès, il y a fait, pour effort, il y a fait. Donc là, il est important pour prudent, il est important pour être en sécurité, mettre quoi qui veille, quoi, parce que dans le pays, nous pas de sécurité, nous pas d'autorité qui veille sur nous. Donc, m'exhortez-nous à la prudence. C'est comme ça, m'a mettez en bout, dans l'émission, mon éditorial. Pour aujourd'hui, c'est appuyé en erreur fatale, si m'ta allé, sans pas quitter un mot, encouragement, pour toute femme vaillant, nous, toutes mesdames qui pas peur combattre, toutes mesdames qui pas peur bataille, toute femme active qui a subi violence, sous n'importe qui femme. Dans la journée mondiale, droit femme, non, c'est occasion, mes amis, pour nous repenser. Pour nous repenser à inclusion, pour nous repenser à respect, à égalité de droit, à égalité de chance pour toute femme sans distinction, pour toute femme indépendamment de couleur ou de classe sociale. Parce que toute femme c'est femme, toute femme capable. Et m'a rappelé nous encore, c'est pas fait femme, mais plutôt c'est journée pour nous rappeler nos combats femmes yo mené pour faire un devoir. M'a invité de partager vidéo à le plus que possible. Invitons amis, invitons famille, viens nous rejoindre famille TAC 509, là, viens connecter à TAC 509. Rendez-vous à casser pour demain, non même l'heure. Merci, à bientôt.